Bon, eh bien, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le gros Dino. Et aujourd'hui, deuxième partie de ce petit opening des 114 displays héritage de la destruction. Puisque, eh bien, on s'est rendu compte que une seule partie, c'était trop compliqué. 114 displays en 3 heures, c'est juste impossible. On va pas se mentir. Même si on avait préparé quand même pas mal notre coup, là, c'est vraiment trop. On a réussi à en faire à peine 50. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire une deuxième partie. Que vous allez bientôt bien sûr voir ici, c'est une rediff Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, sur la chaîne de Lastego, qui est notre chaîne. Donc là, pour cette deuxième partie, nous avions eh bien ouvert les displays en avance, ouvert les boosters en avance. On avait gardé uniquement les cartes de rareté sans se spoiler, bien évidemment. Toujours à la recherche des QCR, toujours à la recherche des trônes du cauchemar. Toujours à la recherche des Paydra, bien évidemment, toutes les cartes qui cotent un petit peu, tout ce qui est sarcophage et compagnie. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas que l'intégralité des cartes sont dispo sur le Card Market ainsi que sur le Vinted de Alex. Les liens sont dans la description. Allez, sur ce, bon visionnage. Ciao! Avec, eh bien, notre ami Alex pour cette deuxième partie. Sors le micro de ton huc. Ouais, alors en fait, le micro, pour le sortir du huc, il suffit simplement que j'augmente mon volume. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Je l'avais baissé la dernière fois puisque c'était trop compliqué avec l'opening, avec l'ouverture des boosters. Ça faisait vraiment beaucoup trop fort. Hop, voilà, ça devrait être beaucoup C'est mieux. Lionel qui parle. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je te laisse expliquer. Non, Nabir, je suis pas le CDF, moi. C'est Lionel qui est allé au CDF. Je pense qu'il a pu voir Melvin, effectivement. Je suppose qu'ils se sont vus. Parce que Melvin était d'ailleurs là-bas en tant que judge. Donc, ce coup-ci, pour gagner beaucoup, beaucoup de temps, Oui, oh oui. MDR toujours dans la politesse. On va eh bien pouvoir ouvrir directement les cartes. Enfin, Alex a ouvert directement tous les boosters Oui. sans se spoil bien évidemment. Et il a gardé uniquement les raretés, donc ce sera déjà beaucoup beaucoup plus simple pour nous pour voir ce que les communes. Bah, à un moment donné, on les connaît tous. Ah oui. Oui, c'est faux. Non, c'est pas faux du tout. Il a tout ouvert. C'est pas moi qui ai ouvert, c'est lui qui a tout Je ouvert. me sentais comme David Lafarge, j'ai passé des heures à tout ouvrir, à faire 1, 2, 3, 4, 5 posés, 1, 2, 3, 4, 5 posés. J'ai tout Alors ouvert, c'est. c'était. Il s'est spoil. Ah bah ça après. Alors, je me suis spoil pour une QCR, parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai ouvert un premier display, j'ai sorti une carte un peu plus résistante, et je me suis dit, oh putain de QCR, incroyable. Donc, oui, au moins une QCR, donc. Ah c'est. Donc, Mais bon, forcément. donc normalement l'opening devrait être quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus Ah rapide. bah oui. Ce qu'on va faire, c'est que Josh a enlevé cette belle souris qui ne sert strictement à rien. On va poser les cartes, hop, à l'envers. Donc, c'est des paquets de Aïe aïe aïe. 24, et dedans, il y a un 10 Hop. display. Ah, On va attention, bien les poser vas-y, vas-y. dans ce sens-là pour nous-mêmes ne pas se spoil de ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, C'est comme ça. bien évidemment. Ça a fait le trajet en train, donc normalement ça devrait être bon. Non, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas, évidemment. On va enlever la boîte parce que ça fait vraiment moche quand même à l'écran cette petite boîte. En gros, ça fait Je vais la remettre derrière. 5 displays chacun à ouvrir. C'est ça, ça fait Ça 24 fait quand cartes. même pas mal de petits tas de cartes. Tac, Ça on fait quand retrouve. même Là, c'est une assez. display en gros, une seule. Ça, c'est une display. Ok. Voilà, donc ça fait 24 cartes 24. en Non, ça rareté fait des beaux. entre super et quarter. Ça fait quand même des beaux petits paquets de cartes, des belles petites cartes à ouvrir. Et bah, sans plus attendre, je te propose de commencer. Vas-y, je t'en Ouais. prie, Est-ce qu'on fait commence. une display chacun en même temps ou Non, vas-y, pas ouvre comme ta ça? pile et puis La paille! on verra les petites dingueries que tu as réussi à avoir. Alors Alors, reste pas tu veux mettre à comme ça? plat, toujours à plat, ça n'a Attends pas comme ça. bougé depuis la dernière fois. On fait En comme ça? fait. C'est Enfin comme quand bon. tu poses tes cartes pour jouer, tu les Ah poses oui. à plat, bah là c'est pareil, t'as pas besoin d'incliner, t'as pas besoin de. De faire que je fasse comme ça à chaque Voilà, fois? juste tu les. Voilà, ça tu les remontes au-dessus. Et puis Faire après, bah ultra dès que. super C'est ce que j'allais secrète. dire, au moins tu peux trier, ça te fera Hop là. ton pré-tri entre gros guillemets. J'espère que vous avez ouvert vous aussi de votre côté pas mal de petites dingueries. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Les quarters, ça se voit rapidement, de toute façon. Moi, ça va être assez Quand il y a rapide. des quarters, ça se Ouais, voit ça se rapidement. voit. Ouais, bah forcément, parce que tu vois briller entre guillemets en dessous, quoi. Donc au moins tu sais quand c'est une dinguerie qui tombe. Ah! Ça fait Un petit plaisir à trône, voir. j'avoue, j'avoue. Environ 22. Un petit golem. Sachant que il y aura effectivement dans Ah! les actus de la semaine, ah, la première secrète qui tombe, ça fait plaisir. Apprenti. Un petit récap, eh bien, des pourcentages de chances Oui. de cartes à Ah, putain, l'intérieur. silencieux. Tac. Donc là, ça sous-entend qu'en fait, la dernière secrète était donc à la fin
des 24. Oui, boosters. Normalement, oui. Ça arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2. Hop, moi je mélange, c'est pas grave. Tac. Non, t'as mis non, 3. 3, 4. 3, 4. 3, 4, et après l'autre, elles sont dans l'autre sens, tu vois. Ah oui, bien j'avais, bien fait, j'avais bien fait exprès, tu vois. T'avais bien fait exprès de bien mélanger. Bien et vu, bien vu. Et j'ai... Allez, on est parti. Hop. Alors. Bon, pour l'instant, rien de bien fou. Pour bien les prendre une par une. Chemin veux. De la volonté, moi je trouve cette carte quand même vraiment pas mal. J'ai trouvé qu'elle était assez dure à récupérer. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de chez nous qui ont réussi à l'ouvrir. Ah oh, bah je pourrais vous en faire. Mais ouais, je crois que toi à l'inverse, t'en as ouvert plutôt pas mal, on va oui. pas se mentir. Oui, oui, oui. Après, vu la quantité incroyable de cartes ouvertes, je pense que c'est pas en, trop trop en compliqué. Réalité, j'ai récupéré plus que 115 displays. Parce Ouh, que, là, voilà, ça fait plaisir. J'ai récupéré environ 117 ou 118 displays, mais c'était des displays déjà ouverts. Enfin, c'était des boosters et tout. Donc. La première secrète Centurion. Qui baisse, Centurion. Hein, ouais, bah heureusement, ouais. Elle baisse parce qu'elle est pas, on va pas se mentir, elle est pas incroyable non plus comme carte. C'est pas une carte de zinzin. Là. Et la deuxième secrète. Ah bah, oui. Aïe aïe aïe. Alors, deux secrètes qui ne cotent pas. Est-ce que Konami a fait une dinguerie derrière? Est-ce que des fois, la première ouverture, il y a eu quoi? Il y a eu un bug ou deux? C'est pas d'assain. Display, ouais, donc deux displays, ouais. Deux displays à trois secrètes. Salut mon Kian, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Elle est sortie du booster. Toujours, c'est toujours protégé, mais sortie de... Alors là, c'est une display vraiment pas folle. Non, vraiment une display pas ouf. Une display à 15 euros. Une display pas dingue, on va pas se mentir. Rentable. Pas plaît. Et hop là, Tempai. Pas beaucoup de Tempai aussi. Hein. On fera le récapitulatif des 10 displays après. Ça va, tranquille, tranquille, mon petit Alan. Réveillez-vous, Centurion. Il y a aussi un qui a voulu Centurion, n'hésitez pas. tous mes liens de Vinted et de Card Market en commentaire, bien sûr. Oh non, en description, on dit. Non, ouais, en description ou simplement là sur le stream. Ah oui. Simplement. N'hésitez pas. T'as des yeux mat. Ouais, je vais pas te mentir, mon ref. J'ai dormi 3 heures. Ah, enfin, genre c'est genre franchement bien, ouais. c'était pas dingue. J'ai pas fait une grosse nuit cette nuit et j'ai pas plus échoué du boulot en plus. Bravo. J'avoue que c'est compliqué là. Dragon nuit. Magnifique en quarter celui-là. Ça se voit cash, tu m'étonnes. Bénédiction, Dandelion, Vivant et Multi Snite et tout silencieux. Pas de dinguerie non plus dans ces displays quand même, on va pas se mentir. C'est pas des displays. Pareil, je comprends fort, ouais, je sais. Après toi t'as fait une belle ouverture quand même, on va pas se mentir. J'ai vu des petites photos, des petites images, et c'est pas dégueu quand même ce que tu nous as. C'est pas réellement une ouverture, mais c'est. Alan le c'est chanteur. Une petite réception assez Gucci, j'ai envie de dire. Allez, on démarre avec du cendré. Oh, oh bah la première secrète, magicien 0. Oh, Tempai. Tempai, ça fait plaisir. Deux. Diabelle. La Diabelle. C'est une ultra. Ah oui, c'est une ultra, ouais, bien vu. Ah, Sarko face brillant. Ah, le Sarko. C'est le troisième, je crois. Le troisième Sarko. Un Starlight et deux en secret. Enfin, en quarter. Hein. C'est waouh. Du Melodius, Chevalier, du Raika, ça fait plaisir. Raika, moi j'aime bien quand même. J'ai hâte de voir ce qui va être pondu avec quand même. Parce que ça me fait plaisir. J'attends beaucoup encore. J'attends de voir ce que tu vas ouvrir, mon lapin. Parce que toi, à mon avis, tu nous as fait des petites dingueries. Tempai, deuxième. Hop, encore un Tempai. Deux dans la même. C'est vrai. Dans la même, c'est bon. Pour une c'est fois. Bon. T'as déjà eu trois en vrai? Une fois, on a eu trois. Ouais. Bah, la troisième. Voilà, troisième. Trois Tempai, incroyable. Ça fait plaisir. Trois petits Tempai. C'est la moitié d'une display. La moitié du prix d'initiative, quasiment. J'avoue. Quasiment. Bon. Et le petit codeur. Non, franchement, ça va. C'est. Pas ouf, mais pas dingue. Ah. Pas mauvais, pardon. C'est qu'une secret, un futur silencieux. Pareil, hein, c'est 4 euros un futur silencieux. Pas cher. Ça fait quand même pas mal de... Centurion. Aïe. Allez, je vais accélérer, voir s'il n'y a pas une petite... Oh, oui, j'ai eu Gadget aussi. Oh là là. Trio Gadget. C'est pas dingue. Des displays qui font peur. Après, on va pas se mentir, ce qui est recherché, c'est les QCR. Hein. Oui. Tempai. Un Dragonnet, ça fait toujours plaisir. J'ai eu Dragonnet d'ailleurs, le prix monté. Hein. Légèrement. Ça fait plaisir. C'est pas d'assassin silencieux 0, chemin. Et. Ah, une display buggée. Donc trois secrètes. Trois secrètes. Une display buggée, bon. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Vaut mieux ça que. Bah, j'en préfère une quarte. Ouais, c'est sûr, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. C'est sûr. Allez, on démarre avec la petite Saphira qui fait plaisir. Le support pour les voiceless. Tu joues à 1 ou pas, Saphira, ouais, tu la joues à 1. Moi, je la joue à 1. C'est largement suffisant.
Elle te fait pas mal de choses assez sympatoches. Ouais. Donc en vrai, t'as pas besoin de la jouer en plus. Ah, un trône. Un petit trône. Ça fait plaisir. Qui se rajoute à ça. C'est l'ultra la plus recherchée. C'est. Qui est très fort. Un deuxième sarco. Franchement, ça y est, on va nous faire mentir. On va obtenir que des sarcos maintenant. D'ivoire. 0,51. Je crois qu'elle est même pas tant recherchée que ça, je crois. Non, elle est pas très chère parce que le deck qui se joue avec n'est pas incroyable, il fait pas de dinguerie, il a pas fait de résultats et on verra en Suisse, mais à mon avis pas te mentir, c'est pas le deck avec lequel j'irai. La petite apprentie du cauchemar, la carte secrète la plus chère, l'une des plus chères, je crois. L'une des plus chères, oui, il me semble que aussi, hein. Un petit dragonnier, un autre dragonnier, donc ça fait plaisir quand il tombe. Voilà. Et derrière, normalement, plus grand chose. On voit le petit marshmallow. Ouais, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de QCR. J'avoue que du coup, les QCR vont se voir très très rapidement vu que ça va briller très fort fort. On va pas se mentir. Voilà. Un dragonnet. Chemin. Tour. C'est pas d'assain. Mais oui, Sarko est simplement pas joué parce que bah, le deck est sympa, mais c'est plus un deck fun qu'un deck. C'est vrai. Qu'un deck très joué pour l'instant. Il y a une secret pour l'instant, Veidras. Et bah, la Ragnarika, graine maléfique. Pareil, c'est environ 10 balles. Bah, les Raika, c'est pas si cher que ça au final. C'est pas si cher, mais après, je pense que il y a quand même pas mal de petites tambouilles à faire avec. Ah, bah, c'est sûr. Je pense qu'il y a des petites zinzineries. Où sont les QCR, mon cher? Avec ce genre de cas. Voilà. Hop. Allez, bah, moi, tu vas pas te faire plaisir parce qu'on commence avec la secrète. Aïe. La Centurion. Hop, le petit marshmallow. Pardon. Hop. Des cartes qu'on, à force de les voir, on va pas se mentir, le Venus. On connaît bien les cartes. Là, ça y est, on voit les petites dingueries. Aïe. La deuxième secrète, la Gandora. Moi, je la trouve jolie, par contre. Belle, la carte est jolie. Après, pareil. Le deck qui tourne autour est pas incroyable. Je crois que c'est une générique, non? Elle, faut que je regarde son effet. Bah, je t'en prie. Dragon ténèbres niveau je sais pas combien. Il y a tout ça de chaque carte bannie. Niveau je sais pas combien, on voit la précision de cet homme. Triu gadget. J'ai gagné ses effets une fois par tour. Si tu comptes... Ah oui, c'est avec sarcophage brillant aussi. D'accord. Ouais, c'est ok, spécial, c'est bien. Paye la moitié de tes buts, tu fais autant de cartes sur ton deck possible. C'est pas mal. Hop. Aïe. Rien de fou. Ouais, en fait, tu détruis le board adverse, gratos. Donc c'est plutôt sympa. Après, de là à dire que c'est incroyable, faut peut-être pas abuser, quoi, mais... Juste bien, son effet. Ouais, non, mais la carte est bien, juste... Bah, et après, tu les bannis en plus, puis t'as un Oxpé, un monstre dragon, un monstre max, niveau 7, donc ça pourrait jouer. Non, c'est pas mal, je crois. C'est pas mal, mais je te dis, c'est pas... Le problème, c'est que ça prend une interrupte, ça meurt, quoi. C'est... Oh, on va prendre un peu le chemin. Allez, là, un trio gadget. Même un trio gadget en QCR, je serais content. Aïe, futur silencieux. Les deux secrets sont tombés. Du coup, je vais accélérer. Tempai. Dès que je vois un Tempai, je suis content. Tu m'étonnes. Allez. Mets là le trône. La quarter sur la prochaine. Ah, on va essayer. On va essayer. Tour. Est-ce que est-ce que ça va être comme à chaque fois, c'est moi qui ouvre les quarters? Possible. Tempai. Et non. Et non. Bon, elle devrait être chez toi, en théorie. En gros, là, il y a l'équivalent de 10 displays. Oui, c'est ça, 10 displays. Parce que ça tenait dans une boîte. Comme 10 ça. Displays ouvertes en 16 minutes. Ça fait 16 minutes qu'on live, donc 10 displays ouverts en 16 minutes. En 1h30, c'est la, pire, la rapidité est dingue. 3, 4, 5. Alors, là, j'ai quand même 50 displays là sur moi. Dans l'Union. J'en ai ouvert de mon côté aussi, mais je pourrais t'envoyer les photos que j'ai. C'est surtout le tableur XL qui va m'intéresser. Un petit empaille qui fait plaisir. Franchement, on a pas mal de tempêtes ouvertes quand même. C'est vrai. Lien qui lien, Z-Arc, la bénédiction de la sans-voix. Ouh. Elle est quoi elle... Ouais, j'ai cru qu'il y avait un petit miss. Ouais. J'ai cru. Multi. La Diable, ça fait plaisir. L'apprenti aussi, ça fait plaisir. Il manque donc une secrète à faire tomber. Trône. Il y a un trône aussi. Voilà. Trône qui est une bonne carte à prendre. Encore une fois. Tempai. Petit Tempai qui fait zizir. C'est le deuxième. Et derrière, encore la même secrète qui tombe. Celle-là, je pense que c'est la secrète qui est le plus tombée. On verra dans ton tableur, mais je pense vraiment que c'est la secrète, le Spadassin qui fait plaisir. Ah. Et encore un Tempai. Donc pas de QCR sur 10 displays. Étonnant. Il y en aura peut-être plus après. J'espère. Tiens, hop, je te redonne la boîte si tu veux ranger maintenant. Ouais, vas-y, tu peux prendre une autre boîte. Et je vais prendre.
la boîte qui suit. Non, franchement, c'est... étonnant. Étonnant, ouais, c'est... Bon, ça arrive, on va pas se mentir. Après, dans une de mes ouvertures, en 6 ou 7 displays, j'avais ouvert 3 QCR, donc forcément, les ratios ils peuvent que changer des fois. Ouais, il peut y avoir des petites dingueries qui tombent. Merde, ouais, ouais. Faut se dire que sur la prochaine, il y en aura peut-être un demi-wagon. Qui sait ? Un demi-wagon. Vas-y, je te laisse commencer, si tu veux. Allez. Et bon, on va partir. Ensemble, tu sleeves. À chaque fois, t'as tourné. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment. Oui. Franchement, c'est vraiment bien d'avoir fait ça. C'est vraiment un gain de temps de ouf. Alors. Hop, on est parti. Metal Trunus. Oh, c'est moi qui ai mal tourné. Un petit Empire qui fait plaisir. La cité cendrée. Le Marshmallow. Petite fierté d'or. Oh, on l'a pas encore eu. La petite Erika en secret. Moi, j'aime, franchement, je te dis, le décrit Raika, s'il décote encore, je pense que... Aïe, 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 bah voilà. Aïe, aïe, de toute façon, aïe. C'est très souvent qu'on les a eu les deux ensemble, on va pas se mentir. Oui. Lien qui lien. Ouh, la petite dinguerie qui se prépare, les amis. Je l'ai vu, je l'ai vu, ça y est. On la voit tout de suite. La première. Ah, c'est laquelle? Et oh, le petit Sarco. Est-ce que ça serait pas Alan qui la voudrait, cette sarcophage brillante? Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas Alan, c'est Alan, il veut pas les Sarco, lui. Il veut quoi déjà? Ce qui l'intéresse, c'est les trônes. Ah, les trônes. Eh oui. Trône du cauchemar. Incroyable. Sarco qui est toujours à 40, si je dis pas de bêtises, hein. En QCR. Magnifique, magnifique. Bonne question, je vais pas regarder. Et derrière, bon, je pense très honnêtement que... Ah, si. Oh, mais hé, t'as une belle display, là, parce que t'as eu tes 4. Oui, tu vois, ça prend un slot de super. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, ça, ouais. Incroyable. Incroyable. C'est parfait. Alors que, parfois, moi, j'ai vu prendre... Ça prenait un slot d'ultra. Donc, non, j'avoue que là, c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Ah, Quentin. Très bien. Sarco en QCR, c'est Quentin. Aïe, aïe, aïe. Pas cher, pas cher. Tempai, tempai. Les QC, le trône. Étonnamment, le Tempai en synchro, il vaut 1€. Il est plus cher que Trio Gadget. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Harponneur, bref. Ah, les cartes sont pas non plus incroyables, on va pas se mentir. Dragonnet. Petit Dragonnet. Dragonnet en quarter. Oui, il est mort. Aïe, aïe, aïe. C'est un banger. Le Dragonnet en quarter, c'est un banger. Grandera. C'est pas d'assin silencieux, tour silencieux et Mélatronus. Donc encore une fois, c'est moi qui ouvre le bal, du coup, finalement. Toujours. Il toujours. Était à 6€ pièce à la sortie. Aïe, 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 6€ pièce à la sortie. QCR, le Tempai. Non, non, le Tempai. Ah, le synchro. Oui, mais c'est les sorties, c'est normal. Les prix, c'est une dinguerie. Alors, Flora, la petite floraison Ragnarok qui sort, ça fait plaisir. La Minerva en Ultra, j'avais payé à la sortie 3€ ou 4€, alors vaut plus que 1, je crois. C'est normal, enfin, faut pas acheter à la sortie. Le petit dragon, le petit silence suspensant. Ça dépend, faut attendre, ça dépend. Ouais, parce qu'il y a des fois, t'as mieux le temps de les acheter à la sortie, parce qu'après, les prix, ils piquent sec. Ça dépend des cartes. Et la deuxième secrète, futur silencieux. 3,99€. C'est beau. On voit le mec a bossé son CM quand même. Ah oui, on a déjà mis en vente quelques-unes, ça part bien. Petite Saphira, résistement, bénédiction. Les playsets, je les mets un peu moins cher que les premiers playsets, c'est normal. Si des Tempai, c'est 10 pièces, moi je mets le playset à 11 ou 12, ça dépend. Et derrière, ah si, un petit réveil au ceinture. J'ai dit, il en manquait une quoi. Pardon. Bah après, tu peux la mettre là pour 20 centimes. Réveil au ceinture. Allez, petit tour silencieux. Salut Rio, j'espère que tu vas bien. Alors en fait on est deux. Voilà. Aujourd'hui on a juste un invité qui vient pour ouvrir eh bien, toutes ces displays avec nous. Oui, ça fait plaisir, je pense, c'est toujours un petit kiff. Voir le QCR, mais on est que deux à streamer sur la chaîne. C'est déjà pas mal, tu me diras. C'est déjà pas mal. Futur silencieux, aïe aïe aïe. Le plus j'en vois, le plus ça me fait mal. Allez, est-ce qu'il y aura une petite... non, voilà, futur silencieux, un petit trône. Un trône, ça fait plaisir, ça revient. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Tempai! Tempai, ça fait plaisir. Et Saphira et un dragon. Tac. Après, le but de ne pas être tout seul, c'est aussi le fait de faire un maximum de contenu. Même si, je vais pas te mentir, c'est un petit peu compliqué. Parce que, bah, comme tout le monde, on a un métier. On a parfois pas mal de choses à faire à côté. C'est très prenant. Mais on essaye de se motiver à un max. On va pas se mentir. On essaye de se motiver à balle. Trio Gadget, pour commencer. Le multivers. Monsieur, le chemin de la volonté, le dandylion. Hop. Tempai. Un petit Tempai qui fait zizir. Oui. La bénédiction.
pour les 100 voix, tour silencieux, et le petit dragon, Melodius. Melodius 6, j'ai vu, c'est pas mal en vrai. Oui. J'ai bien aimé ce qu'a fait, ce qu'a fait Barcode. Barcode. Le spadassin. Barcode 2 ou Barcode 2 ? Barcode. 2, c'est un D. Oui. Lien qui vient. Chevalier, utilisé Dark. La deuxième secret. En vrai, ça va, c'est une belle pièce. Ouais, ouais, là, c'est. On va pas se mentir, il y a mieux qu'en secret quand même, on va pas se mentir. Tant que c'est pas une centurion, moi je suis content. C'est sûr. Oh, magicien silencieux. Ça fait 3 secrets. C'est la troisième du coup ? Est-ce qu'il y avait déjà futur silencieux ? Non, il était pas futur silencieux. Magicien silencieux. Il n'y a que 2. Cendré et. Hop. Non, non, il n'y a que 2 secrets. Fer de lance. Mais ouais, j'ai vu le résultat de Barcode, son stream et tout, j'ai regardé son débrief, c'était pas mal. Hein. D'ailleurs, Barcode qui est en live actuellement, d'ailleurs. Mais ah, j'ai vu, c'est vraiment pas mal. Les sont tombés. Tu vois, encore un... Mm. Encore la X6 qui tombe. Allez, où sont-elles, où sont-elles? Elles ne sont pas là, rien qui vient. Il y a mieux comme ultra, il y a mieux. J'avoue qu'en vrai, du coup, ça va faire 20 bientôt. On a une pour l'instant. Pour une. C'est pas incroyable pour l'instant, on va pas se mentir. Ouais, parce que du coup, en 7 disciplines, j'en avais eu 3, donc là, si ça fait 10, 13, là, ouais, ça ferait une toutes les 4. Ouais, ça diminue un peu. Ça diminue après, bon, c'est déjà. De toute façon, je ferai le récap dans mon tableur en Excel. Dans Dillion. Oh, super. La deuxième secret, je viens d'avoir la flore. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, compliqué. Ah oui. Alex, il va tuer les codes. Non, non, je vais m'aligner sur les triples, qu'on appelle ça. Sur les playsets, je vais mettre un peu moins cher que les playsets et j'en ai déjà vendu pas mal des playsets. Les apprentis du cauchemar, ça part vite. Un petit tempai. Pareil, quelques tempai. J'en ai déjà vendu quelques playsets. Et... On va dire, je suis le moins cher des playsets. Un autre tempai. Je suis pas un professionnel, je suis pas un vendeur pro, je suis un particulier, donc je les mets un peu moins cher, normal. Imaginons, l'apprenti du cauchemar, c'est 22 pièces. Le premier playset est à 25, bah, je me cale à 23,50 environ et ça part vite. Et ça fait plaisir du coup que ça parte. Et derrière, si le spadassin, quand même, j'ai dit, il m'en manquait une. Après, ouais, en vrai, j'ai regardé 2-3 trucs. Des fois, c'est. Les playsets, c'est bizarre parce que oui. T'as meilleur temps d'acheter parfois. À l'unité, c'est exactement ça. À l'unité, ça. Même avec les frais de port, ça vous revient moins cher que les playsets. Ça. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte que ça soit un bon prix. Ouais, de faire monter les prix. Aïe, aïe, aïe. Alors, oh, un trône du cauchemar. On l'attend en QCR, celui-là. On l'attend. Je l'attends fort. Ça fiera. Toujours pas de secret en vue. C'est la QCR la plus chère ? Je sais pas. J'avoue que je sais pas quelle est la plus chère. Ça se joue. Donc la Gable en secret. Peut-être le trône, ouais. Peut-être. J'achète fort, tu m'étonnes. Je sais bien, je sais bien. Et non. À toi de ouvrir ta dernière display. Moi, il m'en restera une aussi après. Hop. Allez. Tranquillement. Le petit dragon. Ouh, je me suis déjà un petit peu spoil. Une bonne magie qui devrait arriver. Ah non, lien qui vient. J'ai cru. J'ai cru au trône du cauchemar, peut-être. J'ai cru au trône. Honnêtement, j'ai cru. La bénédiction. Force de miroir. La première secrète, pardon. La petite floraison. Le marshmallow. Moi, j'aime bien cette carte en vrai. Le trône. Ah, deuxième trône. J'avais raison. Je savais. Je sentais le trône arriver. Bon, c'est pas celle que tu cherches, mais quand même, elle fait quand même un peu plaisir. C'est mieux qu'un trio gadget. Hop, le dragon. Alors peut-être. Raika. Veidos. Non, derrière on a uniquement le petit Veidos. Pas mal, mais pas suffisant malheureusement. Allez, dernier display des 10 displays. Donc ça fera déjà 20 displays. Et une seule QCR pour l'instant. Une seule QCR. Pour le, ouais, ça, pour le moment, effectivement. Allez, je me suis un peu spoil, donc la secret. Oh, double secret d'affilée, une ultra. Ah oui, deux secrets d'affilée, j'avoue que c'est. C'est étonnant. C'est chaud quand même, c'est chaud. Après, il suffit que ce soit genre la dernière du booster de la pile de gauche et le premier de la pile de droite. Je me spoil. Coup, hop, 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 hop. Bon. Tant pis. Petit diable. Tant pis. Hop là. Next. Cette deuxième boîte. Plus mitigée. Bon, ouais, c'est quand même des bonnes secrets, des bonnes ultras. Mais... Je me dis que vivement là. La boîte où à l'intérieur il y aura deux ou trois QCR. Il y aura des QCR, des grosses dingueries, on va pas se mentir. Effectivement, il faut se dire que normalement, si la logique est respectée, il y a un moment donné, ça va pleuvoir de la QCR. Peut-être. Ça devrait être peut-être logique. Hop là. Hop. Et hop. Ah, normalement, ça allait en dessous, je crois. Non ouais, t'as raison, elle allait en dessous. Bien vu. C'est pas très rare. Je
avais acheté un 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, parce que... On va commencer, parce que je sens... Allez, vas-y. Je le sens, là. Je le sens, celui-là. Bah, t'as déjà un tempai. Un petit tempai. Un trône. Ça, bon, fait, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Allez, je le sens bien, celui-là. Futur silencieux. Aïe, 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 ça refroidit. Oh, après, c'est des bonnes... Une diabelle, ça fait toujours plaisir. Shaman. Une display sur 3 ou 4, en moyenne, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est ce que c'est ce qu'on avait vu, mais... En théorie. Trône, deuxième... Non, deuxième. Deux trônes dans le... Ah ouais. Ah ouais. Incroyable, deux trônes du cauchemar, un tempai. J'avoue que cette display-là, elle est incroyable, par contre. C'est bien, c'est bien. Ça rattrape des... d'autres displays. Des displays un peu moins intéressantes. À toi, à toi. Alors... Hop. Volonté. Tour. Volonté. Hop. Dragon. Marche pas longue. Oh. L'écho. Ouh. Y'a rien du tout, là, vraiment. Quoi? Bénédiction. Ah, t'as dû tomber... Bénédiction. Ouais, je pense que j'ai dû me planter quelque part, parce que là, j'ai rien eu du tout. T'as bien eu 24, ou attends, enfin, je me permets juste. Bah, vas-y, vas-y, derrière, j'ai... Ah, c'est un être bon, hein. Est-ce que c'est moi, je me suis trompé, ou c'est possible? Ah, je pense, parce que là, ça fait... C'est bizarre, quand même, on va se mentir. Ah, la première... Ah! Le trône, ça y est. Allez. Le voilà, le premier. Putain, alluia. Monsieur Alan, je crois. C'est ça. Trône du cauchemar, il t'attend, il est frais, il est ouvert. Ah, il fait plaisir. Il fait plaisir, on va pas se mentir. Magnifique, magnifique. Le premier trône qui tombe en QCR. Peut-être le seul, je pense. Hein. De quoi? Le seul trône, je pense. Le seul, là. Tu pètes la bière et la libellule. Ah, bon, j'avoue que là, en vrai, banger, en vrai. Ah, sarcophage brillant secret. Tac, 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 tac. Oula, mais et trois sarcos en point de temps, là, quand même, en vrai. C'est vrai. Hop, 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 hop. Hop là, à toi. le mec, cet homme est pressé. Cet homme est pressé. Je vais le premier trône du cauchemar. Trône. Enfin. 0,60. Magnifique, magnifique. Hop. On va retourner ça. Et on est parti. Tu utilises internet là-dessus? Diable. Non, c'est mieux que non. Ah pourquoi? Bah, parce que pour le stream, je t'enlève. Le petit tempai qui fait plaisir. Tu regarderas après. Mais pour rien, de toute façon. Le Sarco. Ah, le playset, non, t'étais. Qui vient d'arriver. Un peu compliqué, le playset. Ah, le playset, ouais, ça va être un peu dur, je pense. Si, j'ai un playset de Gandora. Bah, le monstre du booster, Gandora, j'ai dans. Gandora. En QCR? Non, oui, en QCR, ouais. Oula. Parce que dans les 6 ou 7 displays, j'en ai ouvert 2. Et j'en avais déjà ouvert un avec toi. Et du coup, j'ai un playset de QCR. Fier Gandora. Ça intéresse des gens. Marche mal, on dit. Tempai. Alors attends, parce que moi j'ai qu'une secrète par contre pour le coup là. Ah non, ah bah ça y est. J'ai dit attends, il y avait peut-être une petite dinguerie là quand même. On verra, pas cher le blitz. Moins cher que CM, moins cher que CM. Alors on verra. Mais même moins cher que CM, je pense que ça reste quand même un bras, on va pas se mentir. Gandora. Je crois que ça doit être 20 pièces, je crois. La QCR. Trône, ça fait plaisir un trône. Fierté, Tempai. Chemin de la lumière et un lien qui lien. Hop, tac. À toi de jouer. Hop. Echo gadget. Ah oui, du coup, elle devait peut-être. Ouais. Bon, j'ai dû rater un ou deux trucs. Bon, c'est pas très grave. Petit du cauchemar. Enfin. L'apprenti qui fait plaisir. De toute façon, vu que tu les as rangés à chaque fois par 10 displays, on va bien voir que. Oui. On arrive quand même. Un premier trône. Un autre trône, pardon. Mais ouais, je me suis raté, j'ai oublié chez moi dans une boîte, vu que ça tenait par 10 displays, à chaque fois je mettais 2 displays en plus donc dans une boîte métallique et j'ai oublié cette boîte métallique. Du coup, bah, je ferai des photos. Malheureusement, la secrète. Aïe, 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 qui n'est pas ouf. Donc, on ouvre que 50 displays entre guillemets. De toute façon, c'est bien pour ça que c'est la partie 2, ça aura fait de toute façon sur la totalité. Mm. On s'y retrouvera et derrière, il ne reste plus. Quand même. Ah, Alan dit 110 le trône. Allez, ça fait à 105. Je t'offre les frais de port. On me dit dans l'oreillette que t'as oublié de décaler la virgule d'un cran. Allez, le trône. Isabestar, bénédiction. Multi-univers, tour silencieux. Moi, je suis assez rapide. Une diabète. C'est quand même beaucoup plus rapide. Et oui, sur la force, on les connaît toutes. Alors. Mais donc, ouais, c'est vrai qu'une fois que t'as fait le tour des cartes, c'est vrai que. Ce qu'on gère vraiment, c'est la QCR. Un trône, ça se fait plaisir.
Son cher, c'est la QCR, la recherche de la QCR. La recherche des QCR, des parce que QCR. De là. Oui, bah, la QCR par display, on va dire. Bon. Ouais, par display, même plus que ça. S'il peut y en avoir plus qu'une, c'est, ah bah c'est oui, pas mal oui, quand même. Mais... Par display, ça veut dire que coup, c'est une toutes les 10 displays finalement, si t'en ouvres qu'une par display. Bah là, vu que t'as rangé 10 displays dans une. Allez. La première secrète qui tombe. Eh bien, j'attends le PayPal, mon cher Alan, et je la donnerai à Matt. À part si il descend à ma console. Oh, oh ça oh y est. Oh, elle est stylée. Enfin, une QCR en lien, ouais. En lien. J'avoue, putain, elle est stylée. Très jolie. Bah, ça fera plaisir à Jojo, je crois. En lien, c'est... Ouais. Putain, mais je savais pas qu'elle était disponible en Starlight. En vrai, elle est très très jolie, en... Magnifique. La lien. Mais bon, elle doit pas être très bien, petit très chère. Putain, elle est stylée. Hein. Bonne question. Dorcus Souverain Ragnarika. Encore ça, Ragnarika. Ça, c'est pour Monsieur Jojo. Et derrière, la masse du trône et Paydra. Oui, c'est vrai, les trônes et Paydra, ça rembourse un petit peu. L'investissement. Stylé, ah, hein, incroyable, putain. Franchement, très très Dorcus, joli. Dorcus Souverain, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'il fait McDo, au chien de Matt. Oh la deuxième direct. Direct, tu vois, je dis, il arrive à un moment donné, fallait que ça va tombe. Falloir que ça tombe. De toute façon, il va falloir que ça tombe. Je la sleeve tout de suite. Hein. Je cherche des sleeves. Le spadassin silencieux, zéro, incroyable. Ça part. Hop là. De toute façon, les QCR, je pense qu'il n'y a rien en dessous de 40 balles. Hein. Je pense pas si, que... si, si, oui, il y en a qu'un. Oui. Gadget, non, il y en a qu'une. Je vous stresse. Non, il y en a qui sont pas très chers hein, de QCR. Tout ça disponible sur mon CM et mon Card Market et mon Vinted, bien sûr. pas cher. Apprenti du cauchemar. Ça négocie des fois les prix hein, sur Vinted. Mais il faut négocier. Hein. Tu vois, regarde, Spadassin est à 25, tu vois. Al-Cap, ah ouais. Al de pot, ouais. Spadassin à 25, j'avoue. Mais ouais, faut pas hésiter à négocier sur Vinted. Spadassin à 25, en vrai, c'est moins cher que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'incroyable, quand même. Voilà. Tac, tac. Hop les. Et ah bah j'ai dû me rater quelque part mais t'as deux trucs à ouvrir vas-y. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que tu t'es planté à un endroit mais bon. Ouh c'est possible. Bon, je vais c'est quoi on va faire comme ça. Ouais mais je peux sleeve hein, t'inquiète en attendant. Je te laisse ouvrir. On va faire une. Ah il te fait qu'une pile. Une seule pile. Parfait. Et à un moment donné il va falloir sortir de la carte, il faut sortir des sentiers battus. Et... Le pas. Premier Tampai qui tombe. Tampai. Ah, la première secrète qui fait mal, mais qui tombe et qui fait mal. En vrai, j'aurais pas voulu l'avoir en QCR le sanctuaire pour la blague. Ouais, la blague est vite fait quand même. Après, je pense qu'elle doit y être, hein, mais Ragnarika. J'avoue qu'en vrai, tu la chopes. La petite trône qui tombe qui fait encore plaisir. Fierté. Fierté d'or à nouveau. Oh, Gandora. Gandora. Il n'est pas en quarter. Non. Phaidos. Ça va, déjà là il y a un petit peu plus de quarter quand même. On a 4. C'est bon, c'est pas une dinguerie. 4 en indispé, c'est bah, un tous les 5 malheureusement. Ah, Dragonnet, on n'avait pas eu Dragonnet. Plus de temps. Enfin, bon, qui n'est pas tombé. Et derrière, malheureusement. Ah non, le trio gadget. Le petit trio. Non, mais j'avoue que. Bon. Hop, ça fait un ratio un petit peu. Pas ouf, on va dire. Mais qui quand même tient la route. Avec toutes les ultras et super qui sont tournés, ça contrebalance le manque de QCR, on va dire. Tac. Ouais, disons que ouais c'est. Ouais. Avoir. Je sais pas, je m'attendais à plus que ça quand même, là j'avoue que. Comme j'ai dit, à un moment donné, il va falloir que ça tombe plus quand même. Si la logique des choses est respectée, il y a un moment donné où ça va. Où ça va tomber fort, 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 si je puis dire. Hop, les. On la met derrière. J'ai fait les deux petites piles. Alors. Hop, les. C'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Tu veux commencer? Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. On commence par la secret, Ragna. Metal Tronus, Empire, Spadassin, Echo, Force, Fer, Golem. Golem, les rouages anciens, ils ont reçu un très bon support, je crois. J'ai vu un peu leurs effets. J'adore les rouages anciens, il faudra que je le sorte un jour. Aïe, 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 les deux secrets. Trône du cauchemar, ça fait plaisir. Un bon support, après, moi je connais quelqu'un qui est en train de regarder le live, qui a essayé de le monter. Bon, il a vite arrêté de le jouer. Ah bon? Alan? Ah ouais. Non, pas Alan. C'est ça. Lionel. Ah, Lionel. Ouais, c'est fort, rouage ancien. Ah oui, c'est fort,
tout à fait, mais apparemment c'est pas assez fort, quoi. Même avec le support, c'est... Peut-être ça se prend trop les haches ou les interruptions. Je pense que ça doit être ça. Trike qui sort. Non. Je sais pas, j'ai pas joué le deck pour savoir, faudrait lui demander. Mais ça doit jouer avec tout ce qui est nuit des machines et tout. Ah, ouais. Ça a banni quelqu'un, j'ai vu un message banni. Automatique, protection, botting, scanning. Eh oui, c'est quand tu essayes de forcer en mettant des trucs bizarres. Ça arrive, même pour une petite chaîne comme ça. Bien sûr, bah, sinon tout le monde fait sa pub et tout le monde met tout et n'importe quoi. Mmh. Et après c'est toi qui te fais bannir. Et le Sarko qui tombe à nouveau, ça fait plaisir. Ça va, c'est cool, c'est cool. Encore le support rouge. Ah, c'est vrai. Il y en a encore qui va arriver. Cool ça. Ah, bonne nouvelle. J'adore les rouages anciens. Mécanique antique. C'est ça. Non, en vrai, il y a des bonnes cartes, mais le truc c'est que... Le support qui va arriver, qui va être bien, c'est Yubel. Yubel va être incroyable en vrai, je pense. Support Tempai aussi. Ouais, support Tempai aussi, effectivement. Non, il y a pas mal de supports qui arrivent pour les decks. Est-ce que c'est tout dans l'édition Forbidden avec Exodia? Je pense que c'est ouais, ça, non ouais, ouais, ah, c'est ouais, une bonne édition, ça aussi. Ouais. Et surtout, support Exodia, tu me diras. Bon. Faire du support. Si, en vrai, ça va être sympa. Il ouais, faut que j'arrive à me le récupérer pour monter le deck. Ouais. Oh que oui, le support qui va faire zizir. Il sort quand? En juin, je crois. Ouais, c'est pas maintenant. Ouais, je crois que c'est. Mais je crois que ça sort par contre. Ouais, ça sort avant le championnat d'Europe. Et pas de mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Mais il me semble que ça sort en même temps que les OTS 25, non? Parce que non, tu sais, on a eu un spoil. Enfin, spoil. On sait qu'une des trois outils OTS 25, c'est la tête d'Exodia. C'est la tête d'Exodia. Ouais. Donc ça sortira peut-être en même temps. S'ils vont faire vendre un peu tout. Après, voir la tête d'Exodia en ulti, c'est marrant. C'est hein, pour la collection, mais c'est tout. Mais ouais, ça s'arrête là, quoi. Pour jouer un deck Exodia. Elle sera peut-être utile. Eh, hey, en vrai, il y aura peut-être une des bannes C-Max. Non. Des bannes contre la max et hop, non, tête d'Exodia. Faut arrêter de croire à ce genre de choses. Ah oui, il a raison, Alan Finn Smith. En français, je sais plus ce que c'est, mais ça va être très marrant et très fort, ça aussi. Ouais. Là, il y a tuto l'un des deux trucs majestueux, là, tu sais. Oui, je vois. Mais en vrai, ils remettront pas la forge démon. Ils remettront pas maxé. C'est impossible. C'est littéralement impossible. On le sait, j'ai dit toujours. Ouais, mais nous. En fait, s'ils remettent c'est max. Tu remets appelé par la tombe à 3 aussi, ou à 2. Non, mais c'est surtout que, enfin, eux, il me semble, en OCG, qu'ils n'ont plus Shifter. Ah, je sais plus. Nous, c'est Shifter qui régule la méta. C'est vrai, ça. Nous, c'est maxé. On a chacun une carte qui permet de régler la méta. C'est vrai que beaucoup de gens se plaignent de Shifter, hein, c'est vrai. Ouais, mais en vrai. Il y a qui vient. Côte de l'âme, chevalier. Shifter permet de régler. Un petit peu la méta, je trouve, quand même. C'est évite d'avoir trop de dingueries qui top ou d'avoir trop de dingueries qui sont jouées, simplement. C'est vrai. Et non, que deux Tempai. Un Tempai encore. Deux Tempai. Tempai. Shifter 1. Ouais. Ah, je sais pas. Shifter 1. Ah, dans l'abus. Toujours dans l'abus. Bah, c'est pour le... Non, j'avoue qu'en vrai... Raconner, ouais, c'est pour trop ça. Non, j'avoue qu'en vrai, Shifter m'a beaucoup embêté, moi aussi, mais... Mais il se joue dans Tempai. Enfin, tu peux jouer autour avec Tempai. Ouais, tu peux jouer autour, hein, clairement. Hein. Est-ce que tu veux nous spoil ce que tu vas jouer au CDF Suisse dans deux jours? Le CDF Suisse. Ah, pardon, bah, non, c'est pas ça. Le championnat de France Suisse, du coup. Mais le CDF. CDS. Voilà, c'est mieux. Le petit Sarko qui tombe. Championnat de Suisse, du coup. Championnat de Suisse, en vrai, je suis pas encore décidé. Je suis pas encore décidé sur ce que je vais jouer. C'est entre Dragon, ouais, Gino et Runixton. Non, pas Runixton. Non, je ne jouerai pas Runixton. Le petit trône qui fait plaisir. Non, je vais jouer soit Dragon, soit Voiceless. Faut que j'arrive à me. Donc t'aimes pas Evoceless et pas Dino alors? Parce que tu peux surprendre déjà Dino. Dino, le problème c'est que c'est pas assez pertinent. Ah ouais? Ouais, c'est pas assez fort. Enfin disons que c'est... Il y a trop d'entrap dans le format actuel. C'est surtout c'est ça vrai. En fait qui est gênant. Il se prend Nibiru je crois dans les Zéro. Non, si tu joues bien non. Tu prends jamais Nibiru et... Bah, en gros il faut que t'arrives à avoir Missé quoi. Mm. Tu l'as très rapidement et si tu prends H au mauvais moment bah c'est compliqué. Je comprends. Et Shifter contre Dino, bah ça fait mal. Hein. Donc, bah, c'est sûr. Bye. Donc en vrai, c'est pour ça que c'est pas encore le choix que je ferai pour. Oula, je me suis spoil. J'ai vu. Comme dirait Jiraya, j'ai regardé des fois ces best-of. Alerte hit, alerte QCR, une fusion QCR qui se la. Oh, Veidos en QCR. Magnifique. J'avoue qu'en vrai, c'est quand même plus joli que les... Ah oui, il manque une synchro du coup en QCR. Ouais, en QCR. Magnifique. Ce serait incroyable. Magnifique. Veido, ce dragon des ténèbres infinies. C'est ça.
Et derrière, une ultra et un tempête synchro. Et ben ça fait plaisir. Tac. Hop. Allez, des dark pour commencer. Hop là. Non, il y a quand même pas mal de tombées ce coup-ci. Ah bah, oui, un peu plus du moins. Un petit peu plus. Bah, on tombe zéro. J'avoue que ça, c'est compliqué de faire pire. Non, hop, lien qui vient. Voilà. Mais. Non, pour l'instant, je sais pas trop quoi. En moins d'une heure, on va ouvrir tout ouvert. Eh oui, je t'ai dit, c'est quand même beau, un gain de temps incroyable. Mais c'est la première fois, c'est pour ça, on verra si jamais il y en a d'autres avec d'autres extensions. Je pense tous les ans, je pourrais au moins en faire une, je pense tous les ans, de refaire ça. Ça dépend, ça dépend de plein de choses. Qui fait mal, malheureusement. Bon, déjà, ça dépend de l'extension en cours, simplement, parce qu'il y a des extensions, malheureusement, je pense pas qu'elles méritent de ouf d'être ouvertes. Alors, lesquelles, par exemple? En masse. Tout ce qui est un petit peu. Tu sais, les boîtes où il y a les dés. Ah oui, ah non, mais moi je te parle des extensions majeures. Moi, si je fais ça, c'est avec des extensions majeures. Principales. Oui, les extensions principales, oui. Oh, je vais pas faire tout ce qui est les HA5, ça a été terrible ça. Bah, c'est pas ouf. Les rééditions. C'est pas ouf. Léger miscut, mais j'ai. Ouais, c'est un truc d'imprimante. J'en parlerai avec un mec qui est très fort. Que tu connais. Ouais. J'ai des contacts de miscut, misprint. Des contacts de miss. T'aimes pas, future séance de aïe aïe. Ce coup-ci, c'est quand même toi qui a plus ouvert. Hein, quand pour même. Une fois. Allez, une petite dernière peut-être, un spadassin. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Ouais, 114 display, faut être déter. Faut être motivé. Oh, oui. Je le suis. Moi, j'aime bien faire des lettres, des envois, des colis, donc je suis déter. J'aime bien ouvrir des QCR aussi. Et il y en a pas, et j'espère qu'il y en aura une peut-être. Allez. Ma fierté dehors. Tempai. Ouais, Monica, comme tu peux voir, on a déjà trié. En fait, ouais, j'ai tout ouvert. J'ai mis toute face verso. Et je comptais si tu avais genre la 5ème, 1, 2, 3, 4, 5, la 5ème, et je mettais un paquet de 24 comme ça. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus rapide, on va pas se mentir. J'ai passé des heures à tout ouvrir correctement. J'ai des tas mais de communes. Que dis-toi que, communes. Imagine, on aurait fait ça en live. Ah non, ça aurait été trop. Aïe, aïe, aïe. La dinguerie. C'était des jours qu'on y passait là. Petite secret Veidos. La dingue. Ah oh, oui, j'avais pas vu la secret. J'étais en train de lire en même temps. J'avoue que c'est en dingue, c'est incroyable. Et derrière, normalement, il n'y a plus rien. Dernière display qui est là. Ah oui. À ouvrir. Il y en a au moins une. Et du coup. Cette dernière. Du coup, dernière boîte. Boîte de 50. Enfin, de 10 displays du coup. En parlant d'ouvrir du coup tes boosters, ça va les pouces pas trop mal aux doigts? J'ai failli avoir une tendine, je crois, oui, vraiment, j'ai très mal à main droite, bras droit, c'était. Je pense que ça devait être assez chaud. Et j'ai pas tout fait tout d'un coup, hein. j'ai alterné. Tu m'étonnes, il y a un moment donné. Les boosters c'est marrant, hein, mais à un moment donné, ça fait beaucoup. Enfin des centaines à ouvrir. Parce qu'on a regardé, ça fait quand même plus de 2000 boosters d'ouvert quand même. Faut pas se mentir, c'est beaucoup. C'est pas rien quoi. Mais je garde tout, hein, tout ce qui est boîte de carton et booster en plastique, je garde tout pour mes envois Vinted, puis même mes envois de lettres. Ça fait des protections en plus, c'est cool. À moindre prix. Allez, je t'en prie. Je commence? Vas-y. Je me suis légèrement spoil là, j'ai vu, il y a peut-être une QCR, je crois. Je vois. Je crois. Oh, Sarcophage brillant. Sarco, ça fait zizir. Des fois, quand on les prend, on voit des fois des trucs quand on les prend. Ça brille un peu plus que d'habitude, des fois. Ah, est-ce que tu vois? Peut-être que ça brille un peu quelque part. Quelque part, ça brille, attention. L'avantage, c'est que vous y voyez pas, alors que nous, on arrive à voir. Aïe. Futur silencieux. Futur silencieux encore. C'est pas un trio gadget? Est-ce que mais ça doit être le même prix? Alors, Alan, dis-nous voir le prix si jamais tu. Futur silencieux encore. Tu te fous sur le live. Elle est belle, mais. 2 euros, c'est écrit dessus. 2 euros. Dans son prix en secret, ça l'est. Malicien. Aïe. Mais elle est belle. Tempai pour attraper un peu. Tempai, bénédiction, harpon. Un trône du cauchemar, ça. Ah, t'es mauvais ange. Oh 50 euros. Elle vaut 10 fois son prix en secret, c'est bien. Il y en a qu'une en vente. D'accord. Et bien, je vais me caler à 49,99. Ça explique, je pense, le prix. Veidos. Il n'y en a qu'une en vente. Aïe, la dingue. Eh bien, il y en aura beaucoup plus en vente. Checker mon CM et mon. Futur. Silencieux. Un Diable. Un Tempai. Carte marquée. Et malheureusement, la Centurion à nouveau. Centurion. Bon, du coup, il y aura du Tempai. Un deuxième Tempai. Un deuxième Tempai. Parce que là, les displays à 20 euros. Ah, j'avoue qu'il y a des displays, elles font mal. Hein. Oh, purée.
49,95, 85, désolé. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime très... En vrai, des fois, j'aime bien faire des prix un peu bizarres sur scène. Des fois, je mets du 44,44, du 22,22, du 11,11€, j'aime bien des trucs comme ça. Et ce sera tout. Ça me fait rire. 11,11€. Imagine le prix, le mec qui achète, il est là, il fait... Ah, c'est pas vrai. Je vais vraiment dépenser 11 centimes de plus. Allez, c'est reparti, une floraison en secrète. Plus du tout Marshmallow. Non, plus Marshmallow, ça. Plus Marshmallow. Diabels, les deux secrètes sont tombées. Allez, un petit draconnet, ça fait plaisir. Chemin, fierté d'or, Veidos en ultra. Non, clairement, ça attire l'œil. Hein, y a, enfin, toutes les choses sont bonnes à prendre pour. Pour un trône, ça fait plaisir. Code de l'âme, sorcière, Diabels et un mutineur. À toi. Fin de tour à toi. Fin de tour à toi. La force, écho, un trône qui fait à nouveau plaisir. Chevalier. Chevalier. Et la spalette, c'est pas ça. Oh, joli. Très belle, très belle. Hop. Silencieux. Force, le Veidos. Chevalier, la Saphira. Dandelion. À force de les voir, quand même, j'avoue qu'on commence à. Encore un Tempai. La floraison qui tombe. Il ne doit pas rester grand chose, il me semble, en hit. Un deuxième trône. Trône du cauchemar, magnifique. Deux trônes dans le même display. Oui, tout à fait. Pas mal, pas mal. Un dragon. Un Tempai encore. Un troisième Tempai. Trois Tempai, deux trônes dans la même display. Ça me va. Ça, c'est le genre de display, les gars, c'est rentable de ouf. On va pas se mentir, c'est rentable de ouf. Allez, c'est reparti. Ah non, faut que je mette comme ça. Hop là. Minerva, tour silencieux. Diabels en secrète. Jamais avoir en quartier, c'est pas mal. Je crois que j'en ai une en quartier. A voir, à voir. Ragnar, les deux secrètes sont tombées. Et. Force de miroir. Je sais pas ce que c'est. Ah, trône du cauchemar. Ça fait plaisir. Chemin, code, chevalier, lien qui vient. Et non, un Tempai pour attraper. Et non! Pas de QCR, il reste 3-4 displays à ouvrir. Peut-être chez toi. Alors, la fierté d'or. Ragnar. C'est joli. En vrai, c'est joli. Elles sont belles. Les artworks sont pas mal. En secret, ça rend bien. Un trône. Un trône, un tempai est juste derrière. Nickel. Hop. Display. J'avoue. Parfait. J'ai les deux, ce qui fait plaisir. Il y aura des milliers de communes hein, sur Vinted, ça va envoyer du lourd. Oh, les deux mêmes d'affaires. Ah, c'est dur, ça, par contre. Des milliers de communes. Hein. Ouais, t'as vu la vidéo. Fierté d'or. J'avoue que la pile est. J'ai les shorts sur YouTube aussi, n'hésitez pas. Le petit dragonnier. Codeur, marche pas longue. Cité cendrée, Dandelion, Veidos et un dragonnier. Oh magnifique en quarter. Oh, alors lui. QCR. C'est le deuxième. Plaisir. C'est le deuxième, ouais. C'est le deuxième. Si, à vendre, pas cher. 85, je crois. Lui, honnêtement, il est vraiment incroyable. Le. Le côté 25 ans sur les couleurs vert jaune là, c'est clair qu'il est beau. C'est vraiment très très joli en vrai. Magnifique. Hop là, ça fait plaisir. Magnifique. Ça fait plaisir, heureusement ce n'est pas un trio gadget. J'avoue que les trio gadgets, bon. Ça m'a fait pas mal au cœur, mais presque, de les voir. Non, ouais, ça faisait mal. Ça te fera plaisir pour toi. Je t'en prie. Tac. Normalement, il te reste une pile chacun. Oui. Diabels en secret. Vivre, code de l'âme, harponneur, Gouin. Ah, les deux secrets sont tombés. Deux secrets qui tombent déjà. Allez, objectif un Tempai et un trône peut-être. Pour rattraper un peu tout ça. Et je pense que ça va être un petit peu mort. Pareil, Minerva. Elle est pas excessivement chère aussi, Minerva, c'est le moment de les récupérer. Tout à 2€, 1€. Tour silencieux, faire danse. Trio Gadget qui a pris un slot de trône, tant pis. Aïe, aïe, aïe. Allez, tour silencieuse. Silencieux, pardon. Pardonner. Tempai. Un premier Tempai. Aika, bénédiction. Le tour silencieux. Le petit. Ah, et la première secrète. Ça tombe. Va, ça fait toujours plaisir. C'est, ouais. Tant que c'est pas du centurion, on n'a pas eu beaucoup de centurions, moi ça me va. Centurion à 2€ à 1,99€. Ah, elles sont jolies, elles sont jolies. Elles sont belles en synchro, je dis pas qu'elles sont belles, mais. Elles sont bien chez les autres. Elles sont mieux chez les autres. Petite fierté d'or, dragon. Apprenti du cauchemar, ça va, c'est bien. Ça, c'est stylé. Une bonne secret. Voilà, la meilleure. Et là, on a pas un autre petit Tempai, une Saphira, non. Saphira derrière. Tempai. Un Tempai. Allez. Ça fait plaisir. Hop.
le dernier de mon côté. En espérant que ce soit le dernier avec une petite dinguerie. Mais ça, c'est en 6-0. Les deux secrets sont tombés. Ah, tu te spoil. Ah ouais, je voulais me... Trône du cauchemar. Et du coup, je voulais me spoil un petit peu pour voir si c'est spoil, une dinguerie. Il n'y a pas de dinguerie. Je te dirai pas. Tu ne me diras pas. Sorcière, Minerva en QCR, j'aurais bien voulu. Peut-être après dans les autres disciplines. Enfin, je te dis, moi c'est le Tempai en QCR, j'aurais bien voulu voir. Dans ce que j'ai oublié. Bon, on va se spoil tout de suite. Hop là. Trois secrets, je crois. Oui, ouais, c'est ça, trois secrets. Trois secrets. C'est des bons. Ah, en vrai, trois secrets, ça tombe toutes les 10 ou 20 displays environ. De ce que j'ai en tête. Ça. C'est trois fois bugué, on a ouvert une centaine de displays, ouais, c'est ça. Ça tombe toutes les. Toutes les 10 ou 20. 20 displays. Toutes les 20 displays, ouais. Parce que j'en ai eu 4, je crois, au total, de displays buggés avec 3 secrets. Donc c'est ça, ouais, bon. Toutes les 20. C'est cool. Mais bon, 20, putain, en 2 cases en gros. C'est Minerva à nouveau. Donc pas de QCR, je crois, à l'horizon. Tour silencieux, Diabels. Je sais pas. Diabels. Quand même pas tout te spoil, faut pas déconner, non. Ça va dans quelques minutes. Mais oui, du coup, il me reste chez moi, que j'ai ouvert, il y a quelques QCR. Et... De toute façon, je mettrai les photos et les. Et un petit trône qui fait plaisir. Oui, beau le trône. Je ferai les photos et les. Principales. Et le recap XL. Et derrière, malheureusement. Ah non. Mais bon, déjà pas mal. Je l'avais oublié. Donc là, on a 50 displays. Donc ça fait 1, 2, ouais. 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 5, 45. Et ça en fait 1 toutes les 7 displays. Aïe, aïe, aïe. Il y en aura peut-être plus dans celles que j'ai encore. Ouais. Moi, j'enverrai les photos et tout. Ouais. C'est pas incroyable. Et heureusement, tu es passé acheter quelques petites dingueries. Ah oui, bon, j'ai juste acheté une collection Rarity 2. Les Rarity 2. Chez notre ami Toyzone à Mâcon. Incroyable. Qui fait des bons prix aussi. J'avoue que les prix en magasin sont beaucoup moins chers. C'était 18,25. À Cultura. Non, c'est Micromania. Ah, moi j'ai vu à Cultura, ils sont à 20, 22, je crois. Ou 24, ouais. Ouais. C'est 12 pièces. Font genre mal. Ouais, parce qu'à Toyzone, du coup, une petite boutique, il les fait à 8, 4 ou 9 euros. Ouais, c'est pièce. 9 euros pièce. Et c'est 18,80 le double pack. Mmh, à chacun, du coup. Allez. Et les double packs sont plus rentables en théorie. En théorie. Il y a plus de structure des triplets, les triple packs. En théorie, il y a plus. Franchement, de gros doute, mais. Gros doute. Mais pourquoi pas. Tu vas mettre les super à côté. Enfin, allez. Tu veux les mettre en bas, le chat. Ah, attends. Hop. Le chat. Non, bah voilà. Un codeur, ça c'est cool. C'est une bonne carte. Ouais, c'est beau, c'est beau. Moi j'aime bien, en super. Le blanc, le livre de la lune. Sombre. Un livre de l'éclipse en secret et. Ok. Une mineure, une déesse. Ok, ok. Derrière, ici encore. Téléporteur d'urgence. Téléporteur d'urgence. Tu vois, je t'ai dit, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Livre de la lune, préparation des rites. Aïe, 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 aïe. Apollouza, Soravis, Tourbillon. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai dit, hein, ça arrive. Le duo pack, ça marche pas à tous les coups. Je pensais, mais là, non. Non, ça a bien marché. On a eu une période où les duo packs, aïe, il est dinguerie. Je te laisse les papiers. Oui, avec plaisir. Dinguerie, les duo packs, mais là, j'avoue que. Pas ouf. Pas ouf. Tout va être sur mon CM, mon Vinted aussi, normalement. Et vous pouvez regarder sur YouTube les shorts que je poste. Donc, tous les liens sont en description. C'est ça, les liens seront en description de la vidéo YouTube et ils sont affichés. Sur le stream. Sur ce, les amis, eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine.